Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le 24e Vlogmas. J'ai pas vlogué hier parce que tout simplement on n'a absolument rien fait. On a fait une grosse raclette en famille mais c'est tout, on n'est pas sorti avec mon chéri. J'ai commencé à tomber malade hier donc du coup je me sentais pas bien, ça doit s'entendre. Et du coup on a décidé de pas sortir, on savait pas trop quoi faire donc on s'est reposé un peu. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer parce qu'on est le 24, alors même si on va rien faire de spécial non plus, je me suis dit que quand même c'était important. Surtout que j'ai filmé avant-hier et que faudrait que je vous mette le vlog en deux parties. Enfin, que je vous mette les deux jours en un vlog plutôt. J'ai enfin réussi à vous poster le vlog précédent. J'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir le poster. J'avais des soucis de connexion encore une fois. Et là voilà, comme vous pourrez l'entendre et comme vous je l'ai dit plus tôt, je suis malade. J'ai une toux et en plus de ça, je sais pas, j'ai envie de dire que je suis enrhumée. Mais en fait non, j'ai plus le nez bouché, mal à la tête et tout ça. Donc je me sens pas super bien. Mais voilà, aujourd'hui c'est Noël donc du coup, c'est Noël quoi. Il n'y a rien à dire de plus. C'est une grande journée. Et là, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. Ça fait beaucoup de bien, je vous assure. Et je voulais tester les parfumés de Melvita que j'ai jamais testé sur mon corps vraiment parce que je l'avais connu dans le magasin et tout. J'avais déjà testé, mais je l'avais jamais testé sur mon corps. Du coup, je vais l'essayer maintenant et puis je vous dirai ce que j'en pense. On a fini de manger depuis un moment déjà, c'était bien bon le repas de Noël, on a mangé des toasts, de la pinta et de la purée, c'était très bon, on a mangé de la glace aussi. Je vous ai pas parlé de toute la journée parce que tout simplement je suis restée au lit au chaud, parce que voilà, ça va toujours pas mieux, j'ai des coups de chaleur, j'ai de la fièvre, des fois j'ai froid, enfin c'est vraiment bizarre, c'est pour ça que j'ai sorti mon gilet. Donc, du coup bah, je me suis pas maquillée pour aujourd'hui et j'ai juste mis... mon petit haut que j'aime bien mettre pour les fêtes et mon jean préféré du moment. C'est tout ce que j'ai fait un petit chignon, voilà, j'ai mis mon collier et c'est tout. De toute façon on n'était pas grand monde là pour le réveillon de Noël, on sera beaucoup plus demain midi pour le repas de Noël vraiment. Et voilà, là on a fait un truc assez simple quand même, donc je me suis pas trop pris la tête. Là vous voyez, là j'ai un coup de chaud par exemple et c'est toute la journée comme ça depuis hier, c'est ignoble. Changement de température, je déteste. J'ai encore la peau cassée, j'arrête pas de me moucher, c'est vraiment affreux. Du coup, je pense pas que je vais continuer ce vlog bien longtemps. Là, il doit être 23h, il me semble. Et je pense qu'on va s'offrir le cadeau demain midi, vu qu'il y aura toute la famille de mon chéri. Du coup, bah, je vous dis bonne nuit. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de Noël parce que bah, je posterai ça après Noël, ça me semble logique. Et sur ce, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao, ciao. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le Vlogmas 25. Là je suis en train de me préparer pour le repas de Noël, il est midi passé. On attend que la famille arrive et puis on va aller manger. Du coup je me prépare, là je vais mettre mon blush. Je fais des choses très légères parce que je suis encore malade et j'ai pas envie d'être trop chargée. Je vous pose là mais je galère. J'ai juste mis du baume à lèvres, de l'anti-cerne, j'ai même pas mis de crème ni rien. Je vais mettre du mascara forcément. Je vais voir ce que je vais mettre, un truc avec des paillettes quand même sur les yeux, un peu léger. Voilà, naked peut-être, il y a pas mal de teintes avec des paillettes aussi. J'ai celui-ci, j'ai ma palette de noir évidemment, mais ça va peut-être faire un peu trop. Et j'ai ma naked. Pour les yeux c'est fait, il manque plus que le mascara, du coup j'ai mis la couleur Mugshot à peu près sur toute la paupière. Le Black Heart en creux pour accentuer le regard. J'ai mis Dust un peu partout parce que c'est que des paillettes limite. Et dans le creux intérieur j'ai mis celui-ci ici. Et là j'ai fait un peu aussi je sais pas comment ça s'appelle. Du coup le mascara et ce sera fini. Et voilà pour le maquillage, du coup j'ai fait quelque chose de simple. Parce que comme je vous ai dit je suis malade, j'avais vraiment pas envie de me tartiner la tronche. En plus de ça je pense pas sortir après, donc voilà, ça suffira largement. Alors je viens de me rendre compte que je vous ai pas parlé toute la journée finalement parce qu'on a passé la journée avec la famille de mon chéri, du coup bah, tout simplement je vous ai pas reparlé, j'avais rien à dire non plus. On a fait un très très beau repas de Noël, c'était cool, tout le monde s'est offert ses cadeaux, même moi j'en ai eu alors que bon, il n'y a aucune raison de m'en faire. Et du coup, excusez-moi, et du coup demain on va avoir une journée plus chargée parce que je pense que j'irai mieux d'ici demain parce que là ça fait déjà 3 jours que je suis vraiment mal. Que j'ai des coups de chaud, des coups de froid, que j'arrête pas de tousser, j'ai vraiment mal à la gorge aujourd'hui. Et je pense du coup que demain ça devrait aller mieux quand même depuis le temps. Donc du coup on va sortir, on sait pas encore où, on va sûrement faire l'avenue Mozart le matin. Faudrait que je me lave les cheveux aussi, mais
le ferai peut-être pas demain, je sais pas. On verra si je me lève assez tôt et si j'ai la foi, si je me sens mieux, mais sinon voilà. Et du coup, bah, demain ça devrait être un peu plus intéressant à filmer, je devrais être en meilleure forme, j'espère. Et du coup, je filmerai mieux tout ça. Donc là, bah, du coup, il y a eu quasiment rien en vlog, mais bon, je suis désolée, j'ai profité du temps, je pense que vous comprendrez. Donc du coup, bah, je vais vous dire bonne nuit et puis à demain pour un vlogmas qui sera un peu plus élaboré, je l'espère. Ciao, ciao.